Première vidéo face caméra, je vais pas être forcément le plus à l'aise et c'est un exercice qui me fait un peu peur, mais je pense que c'est chouette de parler directement. J'ai envie de partager des choses sur cette chaîne et je pense que sans me montrer, ça va pas être assez personnel au bout d'un moment. Bon, donc cette semaine, ça a été surtout la construction de mon site. C'était long et laborieux, mais je suis vraiment très très fière de moi de l'avoir fait. Je pensais pas pouvoir le faire toute seule et j'ai réussi. Je me suis beaucoup énervée parfois, mais j'ai fini par y arriver. Je suis assez contente du résultat. C'était un peu une montagne pour moi de faire ce site parce que, je sais pas, je crois que j'y ai mis une très forte symbolique. Et je pense que c'est un peu l'occasion de me présenter parce que ce site pour moi c'est un peu le début de ma carrière d'illustratrice. Même ça, ça me fait bizarre de le dire. Et donc c'est peut-être le moment de faire des présentations un peu plus officielles et vous parler de mon parcours ou de comment j'en suis arrivée à être là et à essayer d'être illustratrice freelance. Ça n'a pas été simple. J'ai eu beaucoup de blocages un peu créatifs ces dernières années et je pense que ces derniers temps j'arrive tout juste à me sentir assez légitime et à me sentir un peu plus libre et confiante pour créer plus, pour m'imaginer en faire mon métier. Donc je vais revenir peut-être sur mon parcours. Je me suis fait des petites notes et j'ai essayé de reprendre les années parce que j'ai un parcours assez déconstruit et j'ai souvent complexé pour ça, mais en fait je pense que ça m'a apporté beaucoup. Toute ma scolarité, enfin toutes mes années de lycée, j'étais en option art. Donc en 2012, j'ai commencé après le lycée par une prépa en art plastique, enfin ça s'appelle classe d'approfondissement en art plastique. C'était au lycée Gustave Eiffel qui était mon lycée de base. Et c'était donc une classe qui préparait aux grandes écoles d'art, style beaux-arts, école de design, art déco, etc. Et finalement, je sais pas, ça m'a pas trop convenu, je pense. Disons que je me sentais pas trop à ma place. Je pense que j'avais très envie de dessiner et de faire du beau, mais je savais pas forcément pourquoi je voulais le faire. Et je voulais faire du cinéma d'animation à l'époque, mais... Enfin bref, c'était très flou. Ce qui a fait qu'à la fin de cette formation, j'ai arrêté. J'ai donc en 2013, j'avais très envie d'avoir mon appartement. Donc j'ai commencé à travailler dans un cinéma et je suis restée un an ou un an et demi. Donc là, à cette époque, je crois que j'avais presque abandonné le dessin. Je sais pas, c'était très flou. Du coup, après avoir bossé dans ce cinéma, j'ai fait une année de pause, regarder toutes les saisons de Lost. J'avais 20 ans et j'ai juste profité un peu d'avoir du temps pour me demander ce que je voulais faire, etc. Et c'est à la fin de cette année de césure que j'ai trouvé une école où je voulais aller. C'était une école d'art narratif et de bande dessinée à Paris. Donc ça, c'était en 2015. Ça m'a appris à développer une idée à travers le dessin, à développer une narration. Je sais pas si c'est quelque chose dans lequel j'excelle aujourd'hui, mais les cours étaient tous très différents et ce qui était très bien dans cette école, c'est qu'on avait des professeurs qui étaient eux-mêmes des professionnels de la bande dessinée et parfois des auteurs qu'on admirait beaucoup, donc c'était vraiment un bon enseignement. Je suis pas allée jusqu'au diplôme, c'était en 3 ans et j'ai fait que 2 ans parce qu'à la fin de la troisième année, pendant la troisième année, on était censé développer un projet de bande dessinée et le présenter à la fin de la troisième année devant un jury. Je voulais vraiment plus m'orienter vers l'illustration et pas la bande dessinée.
j'ai arrêté. Et après cette école, j'ai eu de la chance, j'ai trouvé un stage. Il y avait donc la boîte Lattebox qui cherchait un stagiaire, et en me renseignant, j'ai vu que mon école pouvait me faire une convention de stage. Et du coup, j'ai commencé un stage à Lattebox en tant que graphiste. Je savais me servir de Photoshop depuis longtemps, mais c'est tout, ça s'arrêtait là. J'avais jamais fait de graphisme. Et donc à Lattebox, j'ai appris plein de choses en termes de graphisme, des choses que je connaissais pas, Illustrator, donc le vectoriel, la mise en page, et de répondre aussi à des commandes et à des attentes professionnelles. C'était vraiment, vraiment bien en termes de formation. Après, encore une fois, j'ai fini par pas me sentir à ma place. Je sentais pas que je pouvais continuer vraiment là-bas, parce que du coup ils m'avaient proposé un CDI. Et c'était une très bonne opportunité et tout ça, mais la vie de bureau et même le graphisme, ça me correspondait pas, même si ça m'avait plu un temps et que c'était très chouette. En fait, je me suis un peu perdue dans la chronologie, parce que entre temps et en même temps que tout ça, j'ai fait beaucoup de petits boulots, et c'est tellement déconstruit que j'ai vraiment du mal à tout remettre dans l'ordre. Mais en même temps que l'école de bande dessinée, je faisais des petits boulots pendant les vacances, parfois d'autres. Enfin, j'ai vraiment fait plusieurs choses, mais au pire, je pourrais en reparler dans une autre vidéo. Mais justement, je crois que c'était juste avant la T-Box, j'avais ouvert mon statut d'auto-entrepreneur. Parce que j'avais une super opportunité. J'ai travaillé avec une agence qui travaillait eux-mêmes pour Renault. C'était une série de vidéos dessinées. Enfin, en gros, on filmait ma main en train de dessiner. J'ai dû faire des petites histoires, 25 petites histoires dessinées. C'est pas facile à décrire, mais au pire, vous avez le lien vers mon site dans la description. Et donc après Lattebox, quand je suis partie, même si j'avais mon statut d'auto-entrepreneur, je savais pas du tout comment m'y prendre, et je crois que je me sentais pas prête à me lancer en freelance. Et j'ai travaillé dans un coffee shop. Rien à voir. J'ai fait le tour de mon arrondissement avec un CV et une lettre de motivation. Et à un moment, je suis passée devant un coffee shop donc qui s'appelle le Café CC, si je peux faire un peu de pub. En fait, ils recherchaient quelqu'un pour faire du café, c'est un café de spécialité. Ils recherchaient quelqu'un pour faire de la pâtisserie, donc un peu de cuisine, un peu de tout en fait. Le Café CC, c'est café créatif, donc c'est aussi un café qui fait des expositions. Enfin, ça avait l'air de me correspondre totalement sur le coup. Et vu que je voulais un peu me détourner quand même du dessin, du graphisme et tout ça, parce que j'étais paumée, c'était vraiment parfait, ça tombait à pic, donc j'ai bossé là-bas à temps plein. Et donc au bout d'un an et demi, deux ans, et encore une fois, surprise, je me suis pas sentie à ma place. Et donc là, je me suis dit vraiment, il faut que je me lance en freelance. Je crois que c'est la seule chose qui me correspond. Ça m'avait beaucoup plu de travailler pour Renault. Et puis même à côté, j'avais fait des petites commandes par-ci par-là, des commandes d'affiches, des commandes... Enfin, tout est sur mon site. Et donc, je suis partie du Café CC en mars. Donc juste avant le confinement, j'ai commencé à mettre en mode ça y est, je suis freelance, à faire un plan d'attaque. Et il y a eu le confinement, et j'avoue que au lieu de faire le choix de rester chez moi à travailler et de pouvoir aussi m'aérer l'esprit, aller travailler dans des cafés, aller faire des musées, aller au cinéma, etc., j'avais pas le choix, je devais rester que chez moi. Et j'avoue que ça a un peu chamboulé mon rythme. J'ai mis du temps à par exemple faire mon site, qui est une des étapes clé quand on veut se lancer en freelance. Donc j'ai assez procrastiné ce truc qui pour moi était une montagne, et je me disais non mais je peux pas le faire toute seule, et je me disais ok, je finis ça et ensuite je fais mon site, je fais ça et ensuite je fais mon site. Et au bout d'un moment, maintenant je l'ai fait, et c'est pour ça que je suis si fière de l'avoir fait, et que pour moi ça marque vraiment le début de mon parcours en freelance. Je regarde beaucoup de vidéos d'illustratrices qui parlent de leur parcours et qui maintenant vivent de ça, ou en tout cas s'en sortent bien et tout ça. Moi pour le coup, je suis vraiment au début, donc je trouvais ça chouette aussi de pouvoir le partager en direct et de vous faire part des déceptions ou des joies que je vais pouvoir avoir. Pour l'instant, j'en suis au stade où j'ai fait mon site. J'essaye de créer le plus possible au quotidien. J'ai envie d'être présente sur YouTube, sur les réseaux sociaux, et donc j'y travaille. Donc là, je me suis fait une petite liste d'agences d'illustration déjà, parce que j'aimerais bien passer par une agence. Si c'est pas possible, j'ai aussi fait une liste de boîtes avec lesquelles j'aimerais bien travailler, des magazines, des marques que j'aime bien, des choses qui me parlent. Et donc la prochaine étape, c'est de les démarcher. Ça me fait vraiment peur, c'est bête, mais
le stade où t'as pas encore essayé, il est assez rassurant parce que bah, si t'as pas essayé, t'as pas raté. Et voilà, j'ai peur qu'une fois que j'ai démarché, ça me décourage un peu d'avoir des refus, même si objectivement je sais que c'est normal et que ça arrivera et qu'il faut vraiment pas se décourager. Et donc voilà, c'est un long chemin à parcourir et je pense que ça pourra me donner un peu de force de le partager avec vous. Et je sais qu'il y en a aussi qui sont dans le même cas de figure et donc c'est encore plus cool si on peut s'entraider et échanger et partager. Voilà, je vais continuer à filmer des petits bouts de vie pour continuer ces journaux de reconfinement et pourquoi pas refaire des petits face caméra pour échanger sur l'avancée. À bientôt.